Salut les amis et bienvenue, c'est Chris. Aujourd'hui, petite vidéo, petite complète en tout cas, pour le Xiaomi Mi 5S Plus. J'ai voulu le dire tout doucement pour vous laisser la surprise, mais je pense que vous l'avez remarqué, il a un double capteur arrière. Alors attention, ce n'est pas un double capteur pour faire des effets à la mode, l'effet bokeh, mais vraiment un double capteur pour accentuer la qualité de la photo. Un capteur couleur, un capteur monochrome. Si vous voulez, vous pouvez utiliser qu'un seul des capteurs en couleur. Les couleurs seront plutôt fades. Si vous utilisez le mode stéréo, ce qu'ils appellent stéréo, c'est-à-dire utilisation du double capteur, alors vous aurez des photos d'une très très belle qualité. Je sais que certains se sont abonnés sur mon compte Instagram qui est utilisé uniquement avec des smartphones chinois. Qu'ils soient bons ou mauvais, je publie les photos, les tests réalisés avec l'ensemble des téléphones. Voilà. Donc, si vous voulez vous y abonner, vous avez le droit. De plus en plus de gens me suivent sur ce compte Instagram. Autre information, ce modèle était un modèle en vente flash. Je l'ai acheté, mais j'ai demandé une remise supplémentaire à la boutique Gearbest qui me l'a fait très gentiment pour que je puisse faire la vidéo en toute indépendance. Voilà pour l'information. Alors, je l'ai pas mal utilisé parce que ce modèle est un vrai plaisir. Ce que je vous propose tout de suite, donc, c'est la boîte. Alors, Xiaomi, toujours fidèle à ses principes, que ce soit du haut de gamme ou de la gamme premier niveau, on va dire, parce que je trouve que tous leurs appareils font quand même assez, on va dire, haut de gamme, même si les Redmi 4 et autres sont des modèles basiques, simples, mais toujours fabriqués avec une extrême finition. La boîte, simple, le nom sur le côté, rien de plus. Ensuite, un carton qui paraît être recyclé pour protéger le téléphone, bien entendu. Et sur le dessous, une documentation avec le petit outil qui vous permet d'ouvrir le tiroir, uniquement en chinois. Et chargeur, prise, vous le voyez, US et câble USB. Rien de plus, une chose. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais j'ai été déçu par cette chose, puisque au moins sur les hauts de gamme, Xiaomi fournit une coque arrière. Alors, coque arrière flexible, mais de piètre qualité, parce qu'elle se marque très très rapidement, elle se raye très facilement. Alors certes, ça protège l'arrière de votre téléphone, mais elle devient vite moche, cette coque arrière. Bon, voilà, ça le mérite d'être livré avec le téléphone. Et c'est uniquement sur les téléphones, entre guillemets, haut de gamme. Alors, je vous propose maintenant de faire le tour du téléphone. Le téléphone, il a un design on ne peut plus classique sur la face avant. Rien vraiment d'extraordinaire. Une dalle, du blanc tout autour, pas d'écran à bordure ultra fine. C'est un modèle très, très classique. C'est lorsqu'on le retourne que là apparaît effectivement ce double capteur qui, très honnêtement, fait sacrément un bon travail. Il est parfaitement protégé, il est juste à fleur de la coque. Donc, ne ressortant pas de cette coque, vous posez votre téléphone et vous voyez que il ne bouge pas le téléphone. Il n'y a pas de mouvement bizarre sur les côtés. Si vous appuyez un peu sur les côtés, il est parfaitement à plat sur une surface plane. Voilà. Alors, sur le dessous, vous avez le port USB type C, ainsi que deux grilles permettant d'avoir d'un côté le son, bien entendu, de l'autre, vous avez le micro. Ils sont partis sur quelque chose de très, très symétrique sur le dessous de l'appareil. Sur le dessus, vous avez le jack à 3.5, micro de compensation et port infrarouge. Voilà pour la chose. Et donc, sur l'arrière, ce travail magnifique, et je vous le rappelais récemment dans une précédente vidéo, un téléphone qui était fait à la façon 2,
et je vous disais Xiaomi avec son aluminium brossé. Voilà cet aluminium brossé fait, réalisé par Xiaomi. C'est vraiment du plus bel effet. Maintenant, on aime ou on n'aime pas. Effectivement, cette couleur, c'est peut-être un petit peu flashy, un petit peu bling-bling, comme on dit. Mais en tous les cas, ça reste de l'excellent travail et du magnifique boulot réalisé donc par Xiaomi. Y compris, vous le voyez, les chanfreins pour le lecteur d'empreintes et les caméras, ainsi que pour les LED flash. Tout est travaillé. Voilà. Un superbe travail réalisé donc par Xiaomi. Alors, sur le côté gauche, vous avez donc le tiroir classique et de l'autre côté, rien d'extraordinaire. Bouton power, volume plus moins. Je vous propose tout de suite, on va ouvrir le tiroir et vérifier comment il s'ouvre. Bien entendu, vous imaginez, c'est du travail parfait. Il glisse, coulisse tout de suite parfaitement. Vous n'avez pas d'emplacement pour la carte SD. Alors, il se remet de la façon aussi propre que lorsque vous l'avez retiré. Et voilà. Vous voyez que l'usinage est parfait. Pas de jeu, rien. C'est un magnifique travail donc réalisé par Xiaomi. Alors, ce téléphone, je ne sais pas si vous le savez, mais il est équipé du Snapdragon 821. Le 821, un processeur qui, lorsqu'il est sorti, annonçait des scores phénoménaux. Malheureusement, bon, il y a un iPhone 7 qui est sorti et qui a lui aussi explosé les scores. Donc, il s'est retrouvé un petit peu derrière, mais il n'empêche que les scores sur ce téléphone sont très élevés. On verra ça un peu plus tard. Il est compact, ce téléphone, malgré un écran de 5,7 pouces. Et c'est, je trouve, un excellent format. Pour ma part, j'y ai pris goût et j'avoue que repasser en 5,5, ça paraît déjà plus petit. Alors le 6, je trouve ça trop grand, mais le 5,7, je trouve que c'est un format idéal. Ensuite, ce modèle qui était en vente flash est équipé de 4 Go de RAM et 64 Go de ROM non extensible. Vous l'avez compris. Voilà. C'est un peu dommage. Ces capteurs arrière sont de 13 mégapixels, donc un double 13 mégapixels. Très important de le savoir. Ensuite, caméra avant, classiquement 4 mégapixels. C'est quasiment l'ensemble de la gamme de chez Xiaomi qui a du 4 mégapixels en façade. Ensuite, vous avez une batterie de 3800 mAh à charge rapide avec la fonction, donc nouvelle fonction de chez Qualcomm ou Qualcomm, la Quick Charge 3.0. Donc une charge vraiment très rapide. Et enfin, il est vraiment doté d'un poids très contenu puisqu'il est annoncé pour 168 grammes. On vérifiera ça aussi après. Voilà pour le tour de téléphone. Je vous propose donc tout de suite le résultat des benches. Alors, le téléphone, je vais déjà vous montrer son lecteur d'empreintes. Vous le posez vraiment à peine, c'est instantané. Très très important à noter. On recommence. Voilà, c'est instantané, c'est très rapide, c'est très efficace, c'est dû sans faute tout le temps. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement bien réussi. Voilà pour le lecteur d'empreintes. Je vous propose donc tout de suite de regarder le score AnTuTu. Je ne sais pas, mais je pense que certains le connaissent déjà. Voilà, nous sommes à 142 880 points. Avec un classement ici, en 14e position dorénavant. Donc, on est très, très, très en haut, vous vous en doutez. Le Mi Mix est juste au-dessus à 144 000 points. Ensuite, vous avez le Mi 5, pourtant équipé du même processeur, et le Mi 5S, lui aussi. Mais vous avez un Mi 5S Plus ici à 151 000. Le mien est donné pour 142 000. Il est à 9 000 points en dessous du officiel ici enregistré en 8e position. Si on regarde le détail du test, vous avez 51 000 points en 3D,
L'interface utilisateur, la user experience, à près de 46 000, le CPU à 34 000 et la RAM à 11 600 points. En termes d'informations, vous avez donc un Xiaomi Mi 5S Plus en Android 6.0.1, c'est la MIUI 8. Ensuite, vous avez de l'Adreno 530 pour le GPU, du Full HD, 13 mégapixels pour la caméra arrière, un total de 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, avec quasiment 54 à la livraison, ce qui permet quand même de faire du stockage de photos sans problème. Donc, nous revenons sur la densité de pixels à 440, nous sommes en 5,7 pouces, je le rappelle. Ensuite, vous avez le NFC supporté, un accéléromètre, température ambiante non prise en charge, c'est bien dommage, mais bon, bref, c'était une blague. Vecteur de rotation, les vecteurs de rotation géométrique pour le jeu, la gravité, le gyroscope non étalonné. Ensuite, le capteur de lumière, l'accéléromètre linéaire, les champs magnétiques non étalonnés, l'orientation, la pression, la proximité, les vecteurs de rotation, les mouvements importants, le compteur de pas et le détecteur de pas, ici, en bas. Voilà, ça rimait, c'est parfait, on passe à la suite. Et vous savez quoi ? Je pense dorénavant que je vais arrêter avec les gros projecteurs. J'ai juste des projecteurs à LED sur le dessous à gauche et j'ai vraiment l'impression que ça suffit puisque en face, j'ai du néon et très sincèrement, j'ai l'impression que l'image est de meilleure qualité. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet éclairage. Le multitouch, allez, pas de surprise, 10 points. C'est adjugé, vendu. Le screen test, vous voulez quand même qu'on le fasse, on le fait ensemble. Que dire ? Pas grand-chose. Voilà. Un noir vraiment très profond. Alors, les couleurs, on va essayer de se mettre... Voilà, alors, attendez, je ressors. On va le relancer. Un toc. Les couleurs, si je me mets comme ça, vraiment face caméra ici, puisque la caméra est juste là, au-dessus, si je me mets comme ça, vous avez la lumière dessus, donc c'est pas l'eau. Voilà la couleur réelle, quasiment, que je vois. Des couleurs très très vives, couleurs très propres, non... Alors, je dirais qu'elles ne sont pas saturées, mais elles sont pétantes, mais c'est sans saturation excessive. Voilà les dégradés de gris, vous voyez que je n'ai pas besoin de bouger, vous les voyez tous, y compris dans le côté très blanc, le premier étant très blanc, vous voyez très bien les dégradés. Voilà, je pense que c'est parfait. Ensuite, les dégradés de couleur, une fois de plus, là aussi, il n'y a pas photo. Vous voyez que c'est du beau, beau boulot. Le orange est bien distinct du rouge, là où parfois chez d'autres, le orange se confond un petit peu avec le rouge. Et c'est ce qui fait parfois que vous avez des couleurs un peu bizarres. Et enfin, la mire, tout est bien rendu. C'est du beau boulot. Et on le voit ici sur cette mire, c'est que la colorimétrie est juste nickel. Ça se voit parfaitement. Tous les dégradés ici sont très très bien rendus. Comme d'habitude, Epic Citadel, Geekbench et les tests GPS, tout de suite avec les copies d'écran. Alors, résultat Epic Citadel, Full HD, nous sommes à 60.7 frames par seconde grâce à cet Adreno 530 associé au Snapdragon 821. C'est un SoC qui fait des merveilles et le résultat le montre très clairement. Ensuite, résultat Geekbench version 4 pour le CPU. Un single core à 1814 et un multicore à 4193. Ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que nous sommes au même score en multicore qu'un Helio X27 par exemple. Mais par contre, vous voyez qu'en single core, le Snapdragon fait juste des merveilles puisqu'on est à 700 points au-dessus du Helio X27. Donc un processeur rapide, puissant,
qui fait vraiment, vraiment un taf extraordinaire. Le GPU 7134, que dire de plus? Je n'ai rien à ajouter, le score est bien présent. Vous imaginez sur les gros jeux, ce que ça peut donner, c'est toujours, toujours fluide. Résultat GPS avec premier lancement sous GPS data, premier fixe 5 secondes. 5 secondes avec 11 satellites fixés sur 17 visibles. Je m'attendais à un score un petit peu meilleur dès le premier lancement, mais vous allez le voir, deuxième lancement sous GPS test, premier fixe 1 seconde. Par contre, vous avez 6 satellites fixés sur 10 visibles. Ce n'est pas un score énorme, mais je vous le rappelle toujours, hein, triangulation ça veut dire 3 et avec 3 satellites, vous êtes triangulé comme on dit, donc zéro problème avec ce GPS livré sur le Mi 5S Plus de Xiaomi. Le graphique 3D Mark, le fameux, et ça valait le coup de le lancer sur ce Mi 5S Plus pour la simple et bonne raison, c'est que ce qui est le plus important, c'est ici les frames par seconde. Je vous rappelle que sous 3D Mark, les animations 3D sont très très gourmandes. Et bien, malgré cette gourmandise, vous avez le nombre de frames par seconde qui atteint quasiment là aussi les 60. Nous sommes à environ 55 ici sous 3D Mark pour les frames par seconde. Et l'horloge CPU, bien entendu, elle grimpe au moment où on en a besoin. Logique. La température reste stable de bout en bout. Elle n'a pas pris 1 degré. Donc, c'est bon signe. Et enfin, pas grand chose d'autre. La charge de la batterie est tout en haut, mais elle n'avait pas perdu un point, je crois, pendant tout le test. Peut-être un point, mais c'est tout. Donc, batterie de 3800 mAh qui fait correctement le travail, elle aussi, parce qu'elle tient très, très, très bien la charge. Petit point d'information sur la ROM fournie sur ce téléphone. C'est une ROM internationale, multilingue, livrée avec tous les services Google. Le Play Store est livré aussi avec le téléphone. Par contre, qui dit version internationale ne dit pas version globale. Je m'explique. Il manque toujours la bande 20 en 4G. Vous avez la 1, 3, 7. Vous avez en plus la 5. Et enfin, les bandes pour la TDD, LTE, donc la Chine. Vous pouvez l'utiliser, certes, mais de façon restreinte dans le monde. Il fonctionne parfaitement chez nous, en France, puisque moi, j'ai utilisé pendant 10 jours, voilà, clairement, pour vraiment savoir ce qu'il avait dans le ventre et vraiment savoir s'il valait le coup. Donc oui, il vaut le coup de par sa finition, sa qualité et sa qualité générale, globale, photo, tout, bon, bref. Je vous propose tout de suite, justement en parlant de photo, d'attaquer la partie multimédia de ce téléphone avec photo vidéo réalisée avec le double capteur et enfin son et vidéo lu sur l'écran. Alors à tout de suite. Thank you.
Le son est prêt, je lance, je vous laisse écouter. Vous avez entendu le son? Que dire de plus? Rien. Je ne sais pas quoi ajouter de plus, hormis de dire, c'est du zéro défaut. Ça pulse derrière le pouce lorsque vous posez votre doigt devant la grille ici. Ça pousse de l'air. Donc c'est vraiment la preuve qu'il y a des médiums bas et très bas. Alors, nouveauté pour le son et les jeux. J'ai un autre micro. Parce qu'avant, j'utilisais le son ambiant avec le micro cravate. Dorénavant, vous avez un micro dessus qui se trouve ici et vraiment sur l'appareil. Donc, vous avez vraiment un son beaucoup plus direct et beaucoup plus franc pour vous à écouter chez vous. Voilà, vous me direz aussi ce que vous en pensez. Alors maintenant, on va regarder la vidéo sur ce téléphone et on va voir ce que ça donne. Vidéo habituel, j'adore les animaux, j'adore la nature, le Costa Rica, quoi de mieux? Donc, je vous laisse apprécier. Voilà. Le niveau de détail ainsi que les couleurs sur ce téléphone. Vous voyez que les couleurs sont flashy, mais sans être saturées, contrairement à d'autres téléphones récemment aussi testés. C'est vraiment un vrai plaisir, ce téléphone et son écran, c'est vraiment du pur bonheur. Je tiens juste à dire le prix de ce téléphone, il est en vente flash, il en reste que deux actuellement en vente. Il est à 320€, prix promo, vente flash. 320€ lorsque d'autres sont à 800 et font le même travail. Donc là, honnêtement, Xiaomi fait très très fort et c'est vraiment, je pense, pour ma part, la marque chinoise à acheter si vous voulez acheter un téléphone chinois. Maintenant, j'attends un OnePlus 3T grâce à la boutique Gearbest. Là encore, un OnePlus 3T que j'espère avoir rapidement. En tout cas, j'espère le tester avant de faire mon road trip en format téléphone chinois puisqu'il ne sera réalisé qu'avec des vidéos sous smartphone chinois. Et je vous dirai quel téléphone je compte emmener. Juste avant de partir, et vous pourrez me suivre sur Instagram si vous le désirez. Bref, vous le voyez, c'est magnifique, un niveau de détail extraordinaire, des couleurs extraordinaires, bref, c'est du pur bonheur, voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de lancer le jeu, on en aura fini avec les tests, et il nous restera à mesurer le téléphone, et enfin de faire nos conclusions habituelles, donc je vous propose tout de suite le jeu. Alors, on va y aller, on va se mettre avec l'accéléromètre, bien entendu. Alors, vous voyez qu'il est sensible, mais pas trop, puisqu'on arrive quand même à bien contrôler la voiture. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, grâce à l'Adreno, vous avez des effets de lumière sur la voiture qui n'apparaissent pas en fait lorsque vous êtes
sur le Mali T880, des effets de lumière ici sur la carrosserie à l'arrière, hein, si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, moi je regarde trop le retour et du coup je me plante, mais voilà, c'est vraiment, alors c'est vrai que même les effets d'ombre, hein, sont plus marqués, sont plus jolis, c'est plus fluide au niveau des effets d'ombre, hein, je parle. Même la voiture glisse plus, effet Adreno 530, bien entendu. Vous l'entendez, hein, elle glisse beaucoup plus même. Non, non, c'est une blague, hein, je vais essayer d'y aller un peu plus vite, mais c'est nul. Rien ne vaut une vraie voiture sur un vrai circuit. Mais au moins là, même si vous vous plantez, vous vous faites pas mal. L'Adreno 530 va-t-il permettre de battre son score? Eh bien, je pense que non, parce que ça part en tête à queue bientôt, là. Voilà. Mais vraiment, les effets de lumière sur l'arrière ici sont très très marqués. C'est vraiment très beau à voir. Voilà une course pas du tout parfaite et réalisée sur ce MI5S Plus. Tout de suite maintenant, la pesée de la bête. 168, je vous rappelle le poids annoncé par Xiaomi, vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, non, peut-être. Eh ben, je vous rappelle que le poids annoncé par Xiaomi était de 168. Que demander de plus? On est loin du HomeTom HT20 récemment testé, où il était annoncé pour environ 170 grammes et je l'ai mesuré à 210 grammes. Voilà. Donc, merci Xiaomi d'être franc avec les clients. Voilà. Je suis désolé, mais c'est vrai que des fois, je suis un peu cinglant et un peu, comment dire, oui, j'y vais fort, comme on m'a dit sur une vidéo, t'y vas un peu fort vu le prix du truc. Ben oui, mais c'est pas parce que ma devise, voilà, je vais l'expliquer, ma devise, ce n'est pas parce que vous payez pas cher qu'on doit vous rouler dans la sueur. Voilà, c'est ça ma devise. J'ai été éduqué comme ça. Ce n'est pas parce que, par exemple, tu as de l'argent que tu dois rabaisser les autres. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas cher que tu dois voler les gens. Un prix pas cher veut aussi dire parfois qualité. La preuve en est, certes, ce n'est pas donné, mais à 300 € le téléphone, environ, je dis bien, vous avez 3 iPhone 7 Plus ou 3 bientôt futurs Galaxy S8. Alors, pourquoi mettre 900 € dans un téléphone lorsque vous avez pour 300 € un excellent appareil mobile, téléphone, tout ce que vous voulez, photophone aussi si vous avez envie. Bref, voilà, donc oui, je suis clair, net et précis sur les défauts des appareils que je teste, quels qu'ils soient beaux, haut de gamme, pas haut de gamme, je m'en fiche, je m'en fiche. Les clients achètent quelque chose, ils attendent ce qu'ils ont acheté. Et finalement, son épaisseur, vous le voyez, 7,9 mm, on est d'accord, 7,9 mm, l'épaisseur annoncée par Xiaomi est de 7,8. Bon, peut-être mon pied à coulisse n'est pas non plus d'une grande précision, ça permet de mesurer rapidement, mais voilà le poids et son épaisseur de cette bête de 5,7 pouces. Alors écoutez, je ramène la boîte Xiaomi. Et je vous propose donc tout de suite mes pour, mes contre et la note finale de cet appareil. Alors, ce MI5S Plus, quels sont ses pour, quels sont les contre et quelle est sa note finale? C'est tout de suite, maintenant. En pour, sa finition globale, superbe, magnifique. Il n'y a rien à redire, c'est parfaitement usiné, c'est parfaitement ajusté, il n'y a pas de jeu, c'est du beau boulot, vraiment du très beau travail. Scanner d'empreintes, super efficace, ultra rapide, c'est un sans faute aussi. Photo, double caméra. Alors les photos, je vous en ai peu parlé. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est du zéro défaut. J'aimais quand même un petit bémol, c'est les photos de nuit. Alors le flash est très efficace, vous l'avez vu sur les fleurs jaunes prises de nuit. La couleur est bien rendue, mais je pense que, moi en tout cas, je déconseille d'utiliser le mode stéréo, c'est-à-dire le double capteur de nuit. Je trouve que ça n'apporte rien du tout.
L'unique capteur de 13 mégapixels, c'est un très bon capteur et il fait un très beau travail. Là, dans ces conditions, c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé que le double capteur de nuit, ça n'apportait rien. Voilà, c'est ma conclusion en tout cas sur l'utilisation du capteur. Quant au capteur avant, vous avez vu ma trombine dans les photos. Bien écoutez, que dire de plus, c'est du zéro défaut aussi. C'est un 4 mégapixels qui rend très très bien. Il est très lumineux. Et honnêtement, j'avais pas de lumière directement sur moi. Et je trouve que la photo est parfaitement rendue, là encore. Enfin, son écran, très bel écran, très bien calibré, zéro défaut là aussi. Bon, je ne sais pas quoi rajouter. Sa batterie, 3800, qui tient très très bien la distance. Et le son, vous l'avez entendu, ça pète. C'est voilà, c'est ce que j'aime, ça dépote. Enfin, les contres. Des fonctions caméra pas assez développées. Je vais aborder ça juste après la note finale. Je vais vous montrer un peu. Voilà, des fonctions pas assez développées. Je trouve que pour un téléphone orienté photo, ça manque de petites choses détaillées permettant d'améliorer le rendu des photos, par exemple pour les photos de nuit. Et enfin, c'est vraiment pinailler pour pinailler. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il est chiant ce mec, il est relou avec ses critiques et bref. Voilà, oui, je suis critique sur un point. Quelque chose d'important, vu le téléphone qui s'oriente haut de gamme. C'est sa coque plastique, c'est de la crotte. Voilà, sa coque plastique s'esquinte très très rapidement. Et pourtant, je n'ai utilisé que 10 jours ce téléphone. Utilisé 10 jours et la coque est rayée, mais pire que n'importe quoi. Donc, c'est pas normal. Je trouve que c'est un plastique bas de gamme. Ils auraient plutôt dû mettre clairement une coque en silicone. Silicone, ça marque moins, c'est plus rebondissant. C'est peut-être moins joli sur ce téléphone, mais bon, une coque plastique transparente qui permet de voir le doré, mais qui raye très facilement. Après, vous ne voyez que les rayures. Bref, oui, j'ai pinaillé. Voilà. La note finale, la voici. 9,2 sur 10. Voilà. Tout est bon. Tout est bon, sauf son design. J'ai trouvé que son design est trop passe-partout. Il est trop ordinaire. Il mérite mieux. Et enfin, bah, les autres notes, c'est du 10 et 9. Voilà, vous l'avez vu. On en a fini avec ce téléphone. Juste là maintenant, je vous montre les fonctions caméra. Donc si vous prenez l'appareil photo, on va se remettre sur la caméra principale. Bien sûr, nous sommes dans le noir puisque... Hop. Alors, vous avez des modes et ça reste là. C'est tout. Mode panoramique avec le mode minuteur bien entendu. Un mode manuel complet, redresser les photos, un embellissement. Un mode nuit qu'ils appellent HHT. Donc pas grand chose, c'est juste le désactiver ou l'activer. Vous voyez que c'est pas grand chose, vous n'avez pas d'autres réglages que ça. Et enfin le tilt shift qui fait, alors on va dire, un effet un peu bokeh mais de loin. Je m'explique, voilà mon petit bonhomme, je le recule et je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. Alors si on se met... Vous voyez que l'effet tilt shift, il fait, vous avez un rond de mise au point, et donc vous le déplacez ce rond, et vous le centrez sur le personnage, et tout autour c'est flou. Donc ça fait un effet bokeh sans vraiment être bokeh. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que ça propose le tilt shift. Et enfin, par contre, un mode que j'ai beaucoup beaucoup aimé, c'est le mode mono, puisque vous êtes en noir et blanc. Alors là, c'est difficile, mais voilà. Alors sachant que derrière ici, c'est gris aussi, mais là, vous voyez, mode mono, turn off, sans mode mono. Voilà, on se remet en mode mono. Attention de ne pas trop appuyer avec vos doigts sur le côté, parce qu'en fait, l'écran est assez sensible. Il prend très très vite la touche du doigt, en fait, sur le côté de l'écran. Et je me remets en mode mono. Voilà, vous le voyez, c'est vraiment, il est très beau. En mode noir et blanc, il est vraiment, les photos sont magnifiques, je trouve. Donc, pour ceux qui aiment la photo noir et blanc, c'est plutôt pas mal. Et voilà, c'est tout pour les modes. Ensuite, vous avez des paramètres de l'appareil photo. Alors, vous pouvez mettre des sons. Qualité de l'image, vous avez très fine ou normale. La format de l'image, en fait, en preview. 4 tiers ou, bien entendu, vous avez l'habitude, 16 neuvième. Après, vous avez les anti-bandes noires, 50 Hz, donc contre le mode vibration des fréquences D
projecteur. Voilà, vous avez l'habitude. Fonction des touches, déclencheur. Ensuite, bah voilà, pas grand chose d'autre. Avec des réglages de netteté, de saturation et de contraste, c'est tout. Voilà. C'est pas énorme, énorme, énorme. Hein. C'est franchement. Ensuite, si vous mettez en mode vidéo. Donc, lorsque vous êtes en mode vidéo, ici, vous avez les modes accéléré ou lent, avec les paramètres ici accessibles, avec les fonctions de localisation, bien entendu, fonction de la vidéo, qualité Full HD ou Ultra HD, donc en 4K, enregistrement possible. Là, nous étions en Full HD. Un mode focus, soit continu, soit au toucher, et vous vous déplacez avec le doigt pour dire « là, je veux que ce soit net » ou « ici, après », bon, bref. Ou alors, c'est un mode continu lorsque vous vous déplacez avec le mobile. Vous avez une fonction retardateur, ce qui est plutôt pas mal. Vous le mettez en vidéo et vous avez des intervalles de 0,12 secondes pour faire des vidéos ensuite en mode accéléré grâce à ce retardateur. Avec en plus le double capteur que vous avez, ça donne de très très belles vidéos et un très bel effet. Et c'est tout, voilà. Donc vous voyez que c'est, je trouve, franchement, restreint en termes de paramètres photo. Ça va pas très très loin. C'est ce que propose en gros tout le monde, mais rien de plus. Eh bien écoutez, voilà, j'en ai fini avec le Mi 5S Plus de Xiaomi. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, que vous n'hésiterez pas à mettre le petit pouce en l'air, me dire surtout de ce que vous pensez des nouveaux éclairages, son, bien entendu, puisqu'un nouveau micro a été installé et commandé grâce aux achats que vous avez pu faire sur la boutique GearBest. Ça permet d'acheter du matériel. Et j'attends un autre matériel encore. Ça devrait permettre de faire encore de plus belles vidéos. Un nouvel objectif sur le Lumix qui est ici, au-dessus de vous. Enfin, ici, quoi. Alors, sinon, j'espère que vous n'allez pas hésiter à vous abonner une seule seconde, ce qui me permettra de vous suivre, de me suivre encore longtemps. Et aux abonnés actuels, c'est sympa. Merci à vous. Je le répète, mais faites bien attention à vous. Et surtout, à la prochaine les amis, je vous dis bye bye, ciao.